Quoi? Vous tombez? Oh yes! Bien, moi ça va super. Aujourd'hui, vous avez vu mes cheveux ou pas? J'ai testé la coupe chignon plaqué parce que j'ai les cheveux gras et que je les ai pas lavés depuis 5 jours. J'ai mis masse de gel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un concept que j'avais envie de lancer depuis 4 ans. J'avais déjà filmé une vidéo avec un youtubeur que j'avais jamais publié parce que j'étais pas satisfaite du rendu et là, le concept sort enfin. C'est très simple, c'est le concept d'une journée parfaite avec une personnalité. Donc là, je vais commencer avec quelques influenceurs que je connais plus ou moins. Et puis, j'espère que ça va évoluer. En fait, c'est juste que je me disais, moi, j'adore faire des vlogs, j'adore partager un peu des good vibes, des bonnes adresses. Mais les gens, ils vont se lasser, quoi, de me voir faire mes journées parfaites, mes petits kiffs de promenade, etc. Je me suis dit, je vais prendre la journée parfaite de quelqu'un d'autre. Attention, ce n'est pas le quotidien de quelqu'un d'autre, c'est la journée parfaite. C'est dimanche, t'as rien à faire, tu veux juste passer une journée trop cool. Qu'est-ce que tu fais d'habitude quand tu veux passer une journée trop cool? Vous avez compris? L'idée c'est vraiment qu'on partage des spots sympas, des adresses sympas. Estilto, aka Gros Lolo, aka moi, va s'incruster pendant une journée pour vivre cette journée parfaite avec la personne sympa. Il y a ce côté vlog évidemment que j'apprécie et que moi j'adore ce format là. Un peu mélangé au côté reportage, reportage interview. Parce que parfois il y aura des personnalités avec qui je vais plus échanger sur certains sujets, à qui je pourrais poser des questions, etc. Vous savez, moi j'aime bien les vidéos simples qui font passer du bon temps et je pense que ce format là c'est ça. D'ailleurs dites-moi qui vous voudriez voir dans la journée parfaite, dites-moi en commentaire. Et évidemment je voulais commencer ce concept avec... Anna, parce que Anna c'est mon mentor sur YouTube. Elle a toujours été présente dans le paysage YouTube, enfin dans mon paysage YouTube en tout cas. On connaît sa vie mais on connaît pas trop ses petites habitudes et je me suis dit que c'était sympa de vous montrer tout ça. Puis en plus moi je suis assez à l'aise de commencer ce concept avec elle. Et voilà, je suis trop excitée de faire cette journée parfaite avec Anna parce que je sens que ça va me faire marrer. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon, Anna m'a donné rendez-vous à 9h30 au Starbucks en tenue de sport. Donc logiquement on va faire du sport. Je pense qu'elle va me faire faire le 105, 12, 30 ou alors de la boxe, je sais pas. Tout ce que je sais c'est que là j'ai trop la flemme. Et si je peux me permettre de donner mes pronostics pour cette journée, je pense que bon du coup il y a du sport, on le sait. Starbucks, je pense qu'on va prendre des trottinettes électriques. Peut-être qu'elle va vouloir qu'on se fasse les ongles. Elle va vouloir boire un coup, manger un plat un peu TikTok. Je pense que la journée parfaite d'Anna c'est chiller, être fière d'elle à la fin de la journée et voir ses potes. Dans ma journée de rêve, j'aime bien prendre un petit Starbucks. Je vous avoue que c'est un peu ma passion. Par contre, vu que je fais le jeûne intermittent, j'ai vraiment dévité derrière. Ah non, mais je peux pas choisir ma boisson. Si, ah non. Ah mais si, parce que le but c'est pas de te torturer. Pourquoi? Donc bah je prends un, tu vas haïr quoi. C'est du café avec des glaçons, mais sans rien. Ouais. Non, voilà. Non, voilà. Et le thème c'est Starbucks, c'est pas. Oui, voilà. On va où? On va au 5, 12, 30 ou à la boxe? On va bien entendu à la boxe. Putain. Ça te fait chier? Ah ouais. Ah non, je l'ai dit. Vous m'avez tellement manqué, je suis trop contente de vous revoir. Non bah let's go alors. Ça va? En forme? Bonjour. Alors aujourd'hui on reçoit Anna Benner et Style Tonic. Alors aujourd'hui on se fait un petit training de reprise, que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On fait un peu de boxe ou pas? C'est pas moi qui décide, c'est Anna aujourd'hui. Ah, oui, alors on fera de la boxe. Yay. Yeah. Travaille. Ouais. Ça va, c'est bon? Quoi de neuf? You're taking me higher.
quand t'essaies d'exprimer, c'est cuit quoi. Mais pourquoi toi ça tient? Parce que je mets de la laque. Tu mets de la laque? Je me suis brossée, j'ai mis de la laque dans mon visage. Anna, quelle est la suite de la journée? On va rentrer chez moi pour se doucher, mais alors quel est mon moyen de transport favori? Je l'ai dit dans mes pronostics. Come to my house. Je mets l'or sur une trottinette, on dirait que je la mets sur une montgolfière. Écoutez là. Le chemin pour rentrer chez moi, il nous fait passer par une de mes vues préférées de Lyon, qui est pas trop connue. Et du coup, il n'y a jamais personne et c'est trop sympa. Ça s'appelle, c'est une, j'ai oublié le nom, mais ça s'appelle la place des tables claudiennes, je crois. Mais on est en trottinette. Voilà, j'en étais sûre, elle arrive à nous faire du boudin. Oh my god, attention! Putain, ça va y être le coup de foudre. Hein. Et on était à ça, à ça. Et parfois, tu souris aux gens et ils te regardent. Ah bah, ça, c'est la vie. Hein. Et ils sourient pas. Est-ce qu'on va là? Non, bof, on n'a pas trop le temps. Chez Anna. Franchement, c'est trop dur le sport. Elle fait ça tous les jours ou tous les deux jours. Voilà. Non. J'ai entendu dire franchement. T'as dit quoi? J'ai rien dit. On fait quoi maintenant? On va se doucher et se mettre un peu sympa quoi. Je te mets une tarte là, petit. Je me douche la tête, t'es gentil, tu te laves dans l'évier. Et on mange quand? Après. Ah non, mais toi tu manges à 14h. Bon, bon, c'est gagouille. Bon, bah on se maquille, on se lave pas. Ah. Mais j'aime bien faire à manger, mais là vu que c'est vraiment censé être ma journée parfaite. Oui, c'est pas ton quotidien, hein. Ouais. C'est ta journée parfaite. Moi j'ai pas de vaisselle et tout, c'est le kiff. Regardez son meuble là, toujours pas monté. T'as besoin de quelque chose? Ah merci. T'es dans la douche. T'es pas à l'aise? Si si. Anna, quoi qu'il arrive, elle trempe toute la salle de bain. Il y a un tapis de douche, hein. Mais ça, ça n'a rien à voir. Bien plus drôle d'en foutre partout. À chaque fois que je suis à l'hôtel ou en Airbnb avec elle, c'est la même chanson et puis elle s'en fout. Moi, je lui dis à chaque fois, arrête, arrête. Elle s'en fout. Oh, qu'elle est belle. Donc, il faut savoir quelque chose à propos de moi-même, c'est que je suis très lente. Ça veut dire que là vous allez voir Laure en gros en 20 minutes elle peut être prête. Moi je suis sortie de la douche il y a 20 minutes et je suis encore comme ça. C'est un truc de fou, je sais pas pourquoi tout me prend une vie. On est censé partir bientôt mais le problème c'est que je peux pas être à l'heure dans les choses. Est-ce que j'ai besoin du temps? C'est bien d'être un peu détendue, de faire les choses à son rythme. Je sais pas si je me fais les cheveux avant ou si je me maquille avant. Est-ce que ça vous intéresse? Pas vraiment. Regardez mon dressing. Oh, je vais me faire les cheveux parce que j'ai chaud. J'ai chaud et si je me fais les cheveux après avoir chaud. Si je me. Ah, ouais, bon, allez. Ah. Et voilà, je suis prête avant Anna. Et regardez comment je suis habillée. J'ai sorti mon plus beau pyjama. Anna, quelle est la suite du programme? Devine quel est mon plat préféré à manger le midi. Une salade César. Oui. Donc, on va aller manger une salade César. Vraiment, miss originalité de mes enfants. Une salade César. On va aller au Café du Pont. Ah, oh, on va aller chercher Sophie parce qu'on a le droit d'avoir Sophie. Voilà quoi. On va y redescendre en trotte parce qu'on est un peu en retard. Désolée. Je filme ta tenue. Petit blazer bleu, jean, efficace, simple, stylé. C'est parti, suis-moi. Enfin non, je te suis. Hello. Et même pas, on va aller descendre. Eh, hey, mais en même temps, tu viens chez les gens, tu peux quand même une petite carte. Hey. Mais il a grossi, non? T'étais pas censé être un petit chaton, toi? Ton truc préféré, c'est qu'il va dans mes chaussures là-bas, il est fou en l'air. Vas-y, va. C'est le chat de mon voisin. Et en fait, mon voisin, il laisse sa porte ouverte en permanence pour que le chat vive dans l'immeuble. Et le chat, bah... Vit chez toi. Sauf qu'il faut partir.
sir. Je te fais fâcher. Allez, regarde. Bisous. Oh, on t'a mis dehors avec tes gros yeux. Oh, il s'est affalé. Oh là là là, t'as pas de chance toi. Je sais pas pourquoi d'un coup l'or a peur en descente. Non, c'est quand même fait pour. Mais elle a pas compris que là on va descendre jusqu'en bas de. Quand on dirait qu'elle surfe. Mais non, mais pourquoi tu surfes comme ça? Mais tiens-toi droit, bordel. Traîne juste. Anna, si je voulais traîner, je le ferais. Mais je comprends pas. Alors, c'est ton caf-caf préféré? Et la César, elle est chaud douce. Ça, c'est excellent. Regardez-moi ce poulet fermier, cette salade, le parmigiano. Laure, je t'emmène faire mon activité préférée, les ongles. J'ai dit dans les pronos, je crois. Enfin, en même temps, c'était un peu évident. J'ai pas 25 000 activités et Laure elle va se faire faire les pieds du coup. J'ai jamais fait de pédicure les gars mais... C'est vrai? Elle a des bassins et tout, c'est génial. Ça va être trop gênant, mes pieds sont horribles. Je peux pas vous dire mais mes pieds sont horribles. Laure aime bien faire semblant qu'elle a des monstres à la place des yeux, mais on sait tous ici que c'est pas vrai. J'ose pas enlever mes chaussettes, j'ai peur. Tu peux fermer les yeux pendant que tu le fais. Oh la vache. Ah, je suis désolée de crier. Moi je suis chauvée, on dirait les pieds de Beyoncé. Prendre le goûter qui est pas un vrai goûter mais qui est ma boisson préférée, c'est un bubble tea. Yeah, en fait je vais jamais à Lyon en plein après-midi, j'avais oublié qu'il y avait des habitants dans cette ville. Tout ce monde. Le métro est en panne. Journée parfaite, c'est parfait. Ah, c'est fermé. Purée, putain, what a dream. Belle French. Oh, c'est très beau. Ah, alors c'est là, c'est vraiment splendide. J'ai peur. Non. Ah, ça explose pas. Ah, bah quoi? Ça se mange? Oui. C'est du tapioca. Je vois le thé. Je sais pas. Oui, le thé, il est délicieux. Oui, on va rester un peu posé chez moi parce qu'en vrai moi j'aime quand même énormément rien faire. J'ai une capacité à rien faire énorme. C'est vrai que je m'étais préparé à une journée où on n'arrêtait pas. Bon après On n'a pas arrêté mais en mode chill. Ouais ouais. Et là, quelle heure est-il? Il est 18h28. 18h28, c'est l'heure de la télé-réalité. On doit repartir dans 1h15. Assis. J'ai bien mon chien, t'as chaud mais tu déchires tous les plaids de Tati. Soki. Wow. On va où? On va boire un verre. Si on pouvait manger parce que moi j'ai très faim. Voilà, on va boire un verre, après on va au resto parce que tout le monde sait que c'est mes choses préférées. Boire des verres et manger. Y'a qui comme ami? Antoine, Hugo et Emma. Cette journée parfaite, on va prendre un petit shot évidemment car c'est quand même ma ligne édito. Il y a un bar à Angers, gros. On va à la shot, tu vois.
Merci à tous pour cette journée de rêve, c'était vraiment le rêve. On espère que cette vidéo vous aura plu et on fait des gros bisous. Dites-nous qui vous voulez voir pour la prochaine édition de Ma Journée Parfaite. Bisous. Bye.